Fenêtres que vous voyez, ni les portes, elles sont vraiment provisoires. Nous n'avons même pas encore mis les bancs et nous n'avons pas encore mis la tribune ici. Et je pense que prochainement, ce ne serait pas une véritable déception, mais ce serait à ce moment-là, vous serez content quand même de voir ce que nous aurons à réaliser ici. Il y a un très bon plan qui est préparé et nous attendons sa réalisation. Sinon, pour nos visiteurs qui viennent de pays lointains, franchement, je m'excuse tout d'abord de ce que vous avez dépensé de très grands efforts pour vous amener de Brazzaville jusqu'ici et dans des conditions vraiment les plus compliquées. Mais j'espère bien que ça a toujours été récompensé par quelque chose. Donc, comme je l'ai dit, c'est la joie. Et je n'ai pas beaucoup à vous dire, sinon que... C'est vraiment provisoire, parce que dehors, on n'a même pas encore mis la couleur, on n'a pas encore mis tout ce qu'il faut, parce que là-bas, nous avons un jubé où les jeunes peuvent monter, ils peuvent chanter. Donc, quand ce serait complètement terminé, eh bien, les autorités congolaises, vous serez aussi invités. Bon, à ce moment-là, ce serait vraiment la rentrée triomphale. Aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Et nous espérons que nous arriverons aux meilleures solutions. Sinon, je vous en remercie, surtout ce que vous disiez. Vous voulez être présent pour l'inauguration. Eh bien, je pense que vous êtes là. Je vous en remercie. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
Son Excellence Monsieur le Chef spirituel de l'Église Kimbanguiste, respecté ministre du culte, suite de votre délégation. Messieurs les délégués des pays amis, messieurs les adeptes de cette Église nationale africaine, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, du 24 janvier au 24 février 1987, il y a à peine un mois, que la population croyante de cette modeste ville Carrefour du PCA de Ngona Boussol vous accueillait dans toute la fièvre qui caractérisait la cérémonie officielle de la pose de la première pierre des travaux de construction à son profit d'une importante église. C'est à la fois avec un grand honneur et un plaisir tout particulier qu'au nom de notre direction politique et administrative, tant nationale que régionale, nous vous accueillons encore ce jour à tout cœur et vous souhaitons très chaleureusement la bienvenue en ces mêmes lieux. À cet effet, nous rendons un vibrant hommage au prophète Simon Kimbangu, fondateur de l'Église nationale africaine, dont vous êtes le fidèle continuateur de son œuvre. Mais comme l'importance de toute étude biographique a toujours été fonction de l'importance historique ou doctrinale du personnage qui en est le sujet, nous sommes certainement mal placés pour vous parler de cette grande figure africaine du siècle et surtout de son importante contribution en vue de l'indépendance et de la liberté des Africains opprimés.